de nous bénir. Merci, de Jésus, que je prie. Amen. Oui, amen, que Dieu bénisse. Amen. Ben, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Le travail le plus difficile, c'est le travail que je suis en train de faire. Parce que c'est un travail d'esprit. Ça fait que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Depuis un temps, je suis très pris. Ça va très bien avec l'église de Paris. Je suis très pris. Et encore, j'ai d'autres occupations. Voilà, c'est beaucoup très important. Comme je disais tout à l'heure, je reviens de sport. Avant, on n'avait pas tout ce temps-là. Avant, c'est entre la maison, l'église, la maison, le centre, à Jean. On grossissait bêtement, sauvagement. Maintenant, je prends quand même soin de moi. C'est très important. Le sport, chaque jour maintenant, je suis au sport. Et ça, c'est important. Ça permet d'être en forme. Et ça, c'est très important. On mangeait trop. Souvent, tu finis le programme, tu rentres à 1h du matin. Ta soeur graine, tu ne peux pas laisser. Soeur graine est foutue. Tu mets un placardier, tu oublies de manger, rire, ou aller dormir. Après, tu te réveilles, tu grossis. Donc, aujourd'hui, là, il y a des choses que j'ai bannies. Je suis plus dans le sport, la formation et tout ça. Je remercie ma femme. C'est son anniversaire. L'anniversaire de mon épouse aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2019. Non, c'est l'anniversaire de votre maman. Amen. J'ai l'anniversaire, maman. Gloire de vie à elle. Ouais. Beaucoup de bonheur. Bon, la place de l'eau de Mouba, c'est pas facile parce que j'ai d'autres préoccupations. C'est vrai, l'église, je m'organise tous les vendredis, samedi et dimanche. Vendredi, surtout jeudi. Et quand j'ai dit vendredi aujourd'hui comme ça, la dernière fois, on avait souci de connexion. Voilà, mais ça va aller par la grâce de Dieu. C'est pas facile, c'est le travail le plus difficile d'ailleurs. C'est pas un truc qu'on se lève un matin pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est une œuvre spirituelle. Les gens qui veulent pensent que c'est facile. Non, c'est lutter avec les esprits. Voilà, si vous voyez qu'on est maintenant là, c'est qu'on a déjà lutté avec beaucoup d'esprits, parce que les esprits, ce ne sont pas nos camarades. Amen. Amen. Voilà, donc on va essayer de voir, j'espère que vous allez bien, on va essayer de voir la parole de Dieu. Je suis le prophète Crasso, appelé le maréchal de la brigade anti-sorcière. Donc, bon, Dieu m'utilise pour vous ouvrir les yeux sur le phénomène des œuvres de la sorcellerie. Voilà, les œuvres des ténèbres. Je vais vous donner un message important pour que vous compreniez un peu comment fonctionne le monde. Alors, je vais vous parler des crimes. Voilà, comment les gens détruisent les gens sans le savoir. Ou bien, ils le font. Voilà, ils font exprès de le faire. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Lévitique, à partir du chapitre 19, le verset 17. Voilà, à tout de suite. Et à 18, si vous êtes à lecture. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. D'accord. Donc, allons-y d'abord le verset 16. Tu ne répondras point calomnie de calomnie parmi son peuple. Très bien. On dit quoi? Tu ne répondras pas de quoi? De calomnie. De calomnie. Tu ne vas pas répandre de calomnie. Oui, la suite. Calomnie, ton peuple. Non, réponds. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. Ok. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Et quelle version tu as là? Lui second. Oui. Allons-y. Il faut lui prendre ta version. Oui. Est-ce que je vais avoir essayé de voir les versions? Je veux essayer de voir les versions. C'est. Il ne répandra point de calomnie parmi le temple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel.
Oui, tu peux répondre, pasteur. Ok. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Mm-hmm. Tu ne... Le verset 17. Oui. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ok. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Ma version est un peu différente, mais c'est la même chose, ça va dans le même sens. La version que j'ai, ça va un peu dans le même sens. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Alors, la question est posée, il faut qu'on reste dans le contexte du texte. Calomnie, c'est quoi? Parce que ça, c'est un français. Les mots ont leur sens. Calomnier quelqu'un, c'est mal parler d'une personne. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Il y a critiqué, il y a calomnié. Alors, le critique, c'est plus positif. Dans le sens, parce que quand on critique quelqu'un, c'est qu'on a envie de l'aider. Alors, il a fait ça, c'était bon. Maintenant, ce qu'il fait, ce n'est pas bon, donc il faut qu'il fasse ce qu'il avait fait avant. Donc, ça veut dire qu'on va dans le sens positif, et puis on compare ce qu'il avait fait avant, maintenant, ce n'est pas comme ça, bon, on l'aide. Voilà. Maintenant, quand on dit calomnier, c'est plus dangereux. Calomnier, on dit tu ne répondras pas. Vous savez, quand quelqu'un calomnie, c'est-à-dire qu'il va dans le but de nuire en parlant ou détruire quelqu'un. Et Dieu dit tu ne répondras pas de calomnie parmi mon peuple. Il y en a combien de personnes qui calomnient les gens? C'est-à-dire que tu apprends quelque chose de ton frère, ou bien peut-être tu l'as vu en train de faire quelque chose. Au lieu de l'aider, tu le détruis, tu répands ça. C'est-à-dire, il dit tu ne répands. C'est un commandement. Alors, ma version, il dit ici, dans ma version, il dit, écoutez très bien, il dit, tu ne verseras point le sang de ton prochain. Vous savez? Amen. Amen. Il ne te lèvera pas. Ils ont dit ici, ils ont dit, c'est vrai, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Vous savez, quand quelqu'un calomnie, on est ensemble, je suis en train de parler. Vous savez, quand quelqu'un parle mal de vous, vous ne savez pas. Calomnier, c'est parler dans le dos de quelqu'un. On est d'accord avec ça? Amen. On peut le critiquer devant vous, mais calomnier, c'est toujours parler dans le dos de quelqu'un. Quand quelqu'un parle mal de vous, quand vous apprenez, quel est le fait que ça vous fait? Ça fait mal. Ça fait très mal. Très bien. Très bien. Donc vous comprenez mon message. Ça vous fait mal, non? Quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous calomnie, et ça se passe dans le dos, ça vous fait mal. Oh, écoutez-moi très bien. Vous êtes frustré, c'est pas ça? Amen. Amen. Donc ça touche votre sang. Oh, pasteur et pasteur qu'on appelle, Serge, dans Lévitique, chapitre 17, verset 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Très bien. Alors, donc, on retourne, on dit l'âme de la chair se trouve dans le sang. Ça veut dire que l'âme, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. Quand on parle de âme, l'être humain est composé d'une âme, d'un corps, d'un esprit. Alors, quand quelqu'un calomnie une personne, calomnier, c'est parler dans le dos d'une personne. Et comme je disais, quand vous apprenez, quand vous êtes calomnié, ça vous fait mal. Quand ça vous fait mal, c'est votre âme qui est touchée. Est-ce qu'on m'a saisi? Amen. C'est ton sang, c'est ton âme qui est touchée. Quand ton âme est touchée, c'est comme le gars est en train de répandre ton sang. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors donc, quand quelqu'un te calomnie et la personne te tue, les plus grands crimes, ce sont les crimes silencieux. C'est pour ça que les plus grands crimes, ce qui est interne, quand on fait un accident, le plus dangereux des accidents, c'est ce qu'est l'hémorragie interne. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Alors, dans la calomnie, quand on calomnie une personne, on tue cette personne. Alors, je vais prendre un exemple banal.
pas banal, s'il vous plaît, c'est tout dit banal. Mais vous avez vu que DJ Arafat, que l'artiste vient de mourir, quand il voulait, il mourait, dans ses derniers jours, il parlait trop que les gens parlaient dans son dos, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas l'actualité, on a pris le temps quand même de l'écouter. Les gens étaient contre lui, les gens l'insultaient, les gens le vilipendaient. C'est-à-dire que les gens l'ont tué avant qu'il ne meure physiquement. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Parce que quand quelqu'un parle, quand quelqu'un vous attaque et que vous apprenez que les gens disent des mauvaises choses de vous, c'est votre sang que la personne le répand. Parce que c'est votre âme qui est touchée. Et donc, ce DJ Arafat, ils l'ont tué d'abord parce qu'il était, abattu en lui-même. Son âme était tellement attristée et ce qu'il vivait spirituellement, si vous voulez, parce que c'est l'âme, on a vu ça physiquement, puisque il est mort de l'hémorragie interne. Vous comprenez donc? Quand quelqu'un vous vilipende, la personne, quand vous apprenez, vous êtes triste. Et c'est comme si le temps de répondre votre sang. Donc je me pose la question. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais tué, mais effectivement, ils ont tué. Ils ont des mains sales parce qu'ils ont, vilipendé. Ils ont détruit des gens sans le savoir. Voilà. Pensant qu'ils n'ont pas en train de tuer, ils sont en train de tuer les vies. Quand vous parlez mal de quelqu'un, quand vous êtes là, vous calomniez une personne, vous êtes un criminel, c'est-à-dire un tué à gage spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas répandre des calomnies. Ne te lève pas contre le sang. Parce que quand tu calomnies quelqu'un, il te lève contre son sang. C'est-à-dire que c'est son âme qui est touchée, c'est sa sensibilité qui est touchée. Or, si sa sensibilité est touchée, son âme, son sang va crier à Dieu vengeance. Beaucoup sont ceux qui ont tué les gens sans le savoir. Ils vont dire, mais comment je l'ai tué? Mais quand le calomnie, parce que quand tu calomnies quelqu'un, tu le tues. Quand quelqu'un apprend et tu lui dis des vilaines choses, demain ça lui fait mal. Et quand ça fait mal à cette personne, c'est son âme qui est touchée. Et l'âme se coule dans le sang. Alors tu répondais le sang des gens. Et c'est sans la cuivre, c'est-à-dire que la plupart des gens, beaucoup sont ceux qui tuent les gens sans le savoir. Il y a des criminels qui répandent le sang des gens, qui sont là, attristés là, la vie des gens, qui sont là, qui sont en train d'adopter, détruire les gens. C'est ça que la Bible dit dans Lévitique, ne répands pas des calomnies, ne t'élève pas contre le sang. Parce que quand tu es calomnié, et quand tu écoutes ce que les gens disent, tu es attristé, c'est ton âme qui est touchée. Quand ton âme est touchée, c'est ton sang qui est touché, c'est ton sang qui est répandu. Voilà, c'est comme la personne t'a tué, il répandait ton sang. Et quand ton sang est répandu, ton âme, ton sang va crier vengeance. C'est pour ça que la plupart du temps, il y a des gens qui prient, Dieu ne les écoute pas. Parce que leur travail, c'est de tuer les gens dans le silence. Quand quelqu'un calomnie, te calomnie. Et il te calomnie. Il te tue. Alors, cette personne, elle va prier, Dieu ne va jamais t'écouter. Parce que son main est pleine de sang. Vous allez me dire, non, mais il n'est pas égorgé, mais tu l'as tué. Parce que quand quelqu'un calomnie, il ne va pas dans le sens d'aider la personne, c'est dans le sens de détruire cette personne. Voilà, de détruire cette personne. Et sauf cela qu'il y a des criminels qui sont parmi nous, dans l'église. Ça peut être à mosquée, ça peut être partout dans les marchés, sans qu'ils ne sachent, mais c'est des criminels. C'est pour ça que leur vie en état. La plupart des gens qui aiment beaucoup calomnier, regardez leur vie. C'est toujours en état. Leur vie n'avance jamais. C'est des criminels, vous voyez là. Non, je n'ai pas égorgé, mais tu es pareil comme celui qui est égorgé. Parce que tu répands le sang. Parce que son âme est touchée. Celui de qui on parle mal, quand il entend ça, c'est son âme, il a attristé. C'est son âme vous touchée. Et sa sensibilité vous touchée. Quand il dit, oh Dieu, c'est de moi qu'on parle comme ça. Vous l'avez tué. Et son âme là, quand ça a attristé, son sang, c'est comme vous versez son sang. Alors, son sang va crier vengeance. Comme Dieu a dit à Caïn et Abel, il a dit, le sang d'Abel crie vengeance. Beaucoup sont ceux qui ont commis des crimes. Ils sont là dans les maisons, ils sont là dans les marchés, ils sont là que quand ils prient, Dieu les écoute jamais. Ils sont là leur vie en état, parce que leur travail, c'est de détruire. Ils apprennent des choses, ou ils n'ont pas appris des choses, mais ils sont là, leur travail, c'est de calomnier. C'est un sale boulot, c'est des crimes dangereux, il y a des tueurs à gage. Vous savez que frère, regardez ce que la Bible dit. Dans le verset 17, regardez ce que la Bible dit.
Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Très bien. Alors, il revient et dit, comment on résout le problème? Il dit, il ne faut pas le haïr. Généralement, les gens qui calomnient, c'est les gens qui vous haïrent. Non, c'est quelqu'un qui haït, quelqu'un qui calomnie, c'est qui te hait. C'est cette haine-là qui lui permet de propager, n'est-ce pas, la calomnie au milieu de tout le monde. Cette haine. Or, quand quelqu'un te hait, il devient meurtrier. On dit celui qui hait son prochain est un meurtrier, dit la Bible. La Bible dit quoi? Tu ne haïras pas ton prochain, mais tu prendras le soin, n'est-ce pas? Je lis le verset ici, pour que nous puissions être... Il dit, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur, mais il dit, tu auras soin de prendre, de reprendre ton prochain. C'est-à-dire, si tu penses qu'il est mauvais, si tu penses qu'il a fait des mauvaises choses, la Bible dit qu'il faut le reprendre. Ça veut dire quoi? Il faut aller vers lui. Il y en a combien de personnes qui vont vers ceux qui pensent qu'ils sont mauvais? Il est mauvais, ça n'engage que toi. Mais est-ce que tu allais vers lui pour lui dire, frère, j'ai remarqué que ce que tu vis là, ce n'est pas bon. Change, voici les conseils. Il y en a combien qui le font? Alors, quand tu ne le fais pas, n'est-ce pas? La vie dit, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. C'est-à-dire, quand tu ne le fais pas, tu le calomnies, c'est un péché de plus que tu vas sur ta vie. En le tuant. Parce que quand quelqu'un calomnie, vous tue. C'est-à-dire, il verse votre sang. Mais en même temps, il est coupable du péché. C'est pour ça que ces personnes-là, eux finissent très mal. Ces personnes-là finissent toujours très mal. S'ils n'ont pas payé leur rencontre, mais généralement, eux, ils payent. Voilà, ils payent. La Bible dit que quand c'est comme ça, il va vers le frère. Et qui est saint? Qui est parfait si c'est fait? Si ton frère a fait des choses qui ne t'ont pas plu, ils sont pas coupables de répondre. Ils peuvent aller vers lui. Alors, donc, il y a des gens qui sont plus sont des plus grands sorciers. Ils pensent que mon sorcellerie, là, c'est manger en rêve. Mais celui qui calomnie, c'est le plus grand sorcier. Parce qu'il détruit. Celui qui apprend toujours qu'on lui des mauvaises choses de lui, il n'est pas heureux. C'est-à-dire ton cœur attristé. Quand c'est ton cœur attristé, c'est ton sang, ton âme qui est touché. Et si ton âme est touchée, mais c'est ton sang qui est répandu. Beaucoup sont ceux qui tuent les frères. Beaucoup sont ceux qui répandent le sang de leur prochain. C'est pour ça que la Bible dit, dans Ésaïe 59, il dit, à cause de tes péchés, à cause de tes crimes. À cause de tes crimes. Donc, les calomnies, elles se comparent comme des crimes. Comme un crime. Alors, ce serait que vous évoluez dans la vie. Frère, il y a des gens aujourd'hui là, quand ils vont prier, Dieu ne va jamais les écouter à cause de leur cœur. Que tu veux ou pas, la seule chose que Dieu regarde, c'est le cœur et ton comportement. Ce n'est pas la prière d'un prophète, d'un homme de Dieu que Dieu regarde. Non, Dieu regardera ton cœur. Salut ton cœur. Même si on prie pour toi, Dieu va se baser sur le principe de est-ce que le cœur de cette personne-là est prêt à recevoir, ou même du moins est prêt à se connecter à Dieu. Alors Dieu dit, on dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est vos péchés et vos crimes qui vous séparent de lui. Combien sont ceux qui pensent qu'ils sont heureux? Vous savez, généralement, les gens qui calomnient sont heureux. Hein? Ils sont contents de propager. Mais c'est une malédiction. C'est une très grande malédiction. La Bible, tu préférerais, il dit, le verset 17, il est important d'aller vers ton prochain. Sinon, en propageant ça, tu t'emmagasines des péchés sur toi. C'est pour ça que les gens, ils vont tourner de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Jamais leur vie va changer. La vie, parce que les gens pensent que c'est leur vie, c'est les gens qui doivent changer. Eux-mêmes, c'est des criminels. Il y en a plein de criminels. Il y a des gens, même les réformes, ils vont au marché. Au lieu de faire au marché, c'est on parler des gens. C'est ça qui vous intéresse. Jusqu'à un peu plus faire sauce. À midi, nous, on n'est pas encore préparé. Il y a des gens, quand ils vont quelque part, c'est calomnier qui les intéresse. Leur travail, c'est chercher à nuire. Frère, quand tu cherches à détruire la vie de quelqu'un, ça veut dire, tu es en train d'affronter Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire plus de bien que de mal. Voilà. Il faut faire plus de bien que de mal. Quand tu fais du bien, Dieu te bénit. Mais quand tu fais du mal,
mais tu pries. C'est pour ça que la vie d'un homme doit être plus de bien. Même si on te fait du mal, il faut rendre ça en bien. Il faut toujours faire du bien que de faire du mal. Voilà. Même si quelqu'un te fait du mal, il faut faire plus de bien que du mal. Parce que tout compte fait. Le mal, quand Dieu va s'élever, les gens ont tous leurs soucis. Comment détruire un frère? Comment nuire la vie d'un frère? Comment s'associer ou détruire? Comment s'associer pour nuire la vie des gens? Vous vous fatiguez parce que tout compte fait, l'énergie que vous fournissez pour pouvoir nuire la vie de quelqu'un, mais un jour, vous allez payer. Amen. Amen. Donc les calomnies, là, c'est comme des cris. Et les gens, ils ne savent pas. Non, on prie, je prie depuis, Dieu n'a jamais écouté, je prie depuis, je n'ai jamais rien vu, je prie depuis, je n'ai jamais rien vu. Si ton cœur est mauvais, toute prière que va vestir toi, ça ne va jamais marcher. Est-ce qu'on me suit un peu dans la salle? Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Avant même de prier pour quelqu'un, il faut lui dire comment son cœur peut être disposé. Comment il doit disposer son cœur. Parce que ce n'est pas seulement de dire de prier, or tu viens de calomnier. Les calomnies, tu viens de faire, tu viens de tuer. Tu viens de tuer un frère. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un, quand tu le calomnies, tu le tues. Tu le tues. Tu tues son âme. Et ce serait que le petit, et malheureusement, le Didier Arafat, il était victime de ça. Il était dans son âme était tellement touchée. On a entendu, hein? Moi je ne suis pas un proche de lui, mais on a entendu ce qu'il disait. Les gens versaient son sang. Parce que quand ton âme est touchée au-dedans de toi, tu finis par mourir. Et ce qu'ils voulaient de lui, là, le résultat est venu, il est mort. Et malheureusement, sa mort, c'est là où tout le monde veut faire un funérail. Oh, vous l'avez tué à petit feu. Vous l'avez d'abord tué en le calomniant, parlant de lui, mettant les bâtons dans les roues. Vous voyez comment les gens détruisent la vie des gens. Regardez comment ils ont détruit sa vie. À un moment donné de sa carrière, les gens disent, ils sont allés mettre des bâtons dans les roues. Ils ont empêché les sponsors de venir sponsoriser, n'est-ce pas, ses concerts. Il en avait marre. Il avait gros sur le cœur, il souffrait de ça. On l'a tué, c'est-à-dire son sang souffrait. Son âme touchait. On avait déjà versé son âme, son sang, en le faisant. Et regardez le résultat, il est mort. Il est mort. Donc ils l'ont tué à petit feu. Et après, les gens disent, ah non, il était bien. Il était bien. Pourquoi vous n'appréciez pas? Et vous détruisez. C'est ça le malheur de l'Afrique. Malheureusement, ce n'est pas forcément les Africains qui calomnient, hein. Mais nous, c'est un peu dans notre sang. C'est un peu dans notre sang. Les Africains, ils n'aiment pas tout ce qui est bon, ils détruisent. Voilà. Un blanc, chez les blancs ici, même un handicapé, un paralytique, quelqu'un qui est handicapé à sa place, chez nous en Afrique, ils vont te chicoter. Tu es madou, tu marches façon par façon, ils vont te chicoter. Où est le gamin, il garde sa voiture, il te tape. Or, ici, les handicapés, ils ont une place, ils sont respectés. Plus tu es faible, on t'aide à évoluer ici. Mais là-bas en Afrique, quand tu évolues, on te rabaisse, on te détruit. C'est là que chacun a son mot à dire pour te calomnier. Les calomnies, c'est un crime silencieux. Beaucoup sont ceux qui sont victimes. Les gens veulent se marier et les gens veulent détruire l'image d'un frère, d'une soeur ou bien de quelqu'un à cause des calomnies. Aujourd'hui, il y en a plein de personnes qui meurent à cause de ça. Ils sont froissés, leur âme est attristée, leur sang est répandu devant Dieu. Et souvent, que la plupart de ceux qui calomnient finiront toujours par payer. Que tu veux ou pas, peu ou pas, que tu croyes à ça ou pas, tu payes, ta descendance payera ça. Amen. Amen. Alors, c'était important pour moi, en tant que prédicateur de l'évangile, de vous partager la parole de Dieu, par la grâce de Dieu.